Le prince Harry a été attaqué par Piers Morgan pour sa menace de poursuite judiciaire contre le ministère de l'Intérieur et est accusé de rendre la vie de la reine plus difficile. Samedi, les représentants légaux du duc de Sussex ont publié une lettre indiquant qu'il avait l'intention d'intenter une action en justice contre le ministère de l'Intérieur en raison de leur refus de lui permettre de payer pour sa propre protection policière. Piers Morgan a maintenant fustigé le duc, affirmant que le royal se comporte comme un hypocrite éhonté lors d'une attaque sauvage. Dans un article d'opinion, Monsieur Morgan a déclaré que Harry se comporte comme un hypocrite éhonté, trompé et terriblement intitulé avec son action en justice prévue. Écrivant dans The Sun, il a déclaré, s'il met sa menace à exécution, ce sera la première fois qu'un membre de la famille royale poursuivra le gouvernement de Sa Majesté, bien sûr, causera à la reine un autre mal de tête massif au pire moment possible. Le représentant légal de Harry a déclaré samedi dans un communiqué, le Royaume-Uni sera toujours la maison du prince Harry et un pays dans lequel il veut que sa femme et ses enfants soient en sécurité. Avec le manque de protection policière, le risque personnel est trop grand. Le duc et la duchesse de Sussex financent personnellement une équipe de sécurité privée pour leur famille, mais cette sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni. En l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner chez lui.